C'est une un peu spéciale aujourd'hui car nous sommes à la veille d'un moment où l'artiste va passer sur France Musique demain. Donc si vous regardez cette vidéo en ce dimanche 23 mai 2021, et ben branchez-vous sur France Musique. En Ile-de-France c'est 91.7, mais vous pouvez aller sur internet, vous tapez juste France Musique à 13h heure française, pour ceux qui vivent loin, à 13h. L'artiste passe avec sa petite troupe du Malade Imaginaire en la majeure. Profitez-en. Bon, cela dit, l'artiste a quand même travaillé pour À vous de jouer aujourd'hui. Donc, chapeau, chapeau. Et donc, en cette 56e, il a fait un petit quelque chose sur le fait de mettre des paroles en français sur September du groupe disco Earth, Wind and Fire, sans rapport avec le sens de l'original. À la manière des yéyés qui faisaient ça beaucoup à l'époque. Je donnais l'exemple de Belle 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 de Claude François qui, à la base, ne parlait pas de belle femme mais parlait de cloche. Belle. Bah oui. L'artiste, on t'écoute. Je vais vous le faire tout de suite, c'est très d'actualité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé aujourd'hui parce que je pense que c'est un week-end, c'est du déconfinement, c'est du soleil. Tout le monde a envie de faire d'autres choses, tout le monde est parti pour faire autre chose. Eh bien, tant mieux pour ça. De toute façon, il y aura des contraintes pour après-demain. Et voilà. Donc, moi, de mon côté, j'ai fait une demi-chanson. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on peut quasiment tout trouver en karaoké sur YouTube. Vous tapez le titre de la chanson suivi de karaoké. Là, j'ai tapé September karaoké. Et j'ai trouvé un karaoké tout à fait correct, qui ressemble à l'original. Voilà. Je vais lancer le karaoké, c'est-à-dire la bande instrumentale, hein, et chanter par-dessus. Une demi-chanson. On n'y croyait plus, le bout du tunnel, pas en vue. Ça semblait éternel si on avait su qu'on sortirait bientôt de notre jus. L'antivaccinisme, qu'on peut bien sûr comprendre, maintenant s'éclipse. On en a marre d'attendre et la piste, à présent, est à prendre sans rire. Oh oh oh, vacciné, on peut aller danser, vacciné, on peut même voyager, vacciné, et surtout on peut s'embrasser. La piqûre, ouais, c'est dur, mais ça offre un futur. La piqûre, ouais, c'est dur, mais ça offre un futur. La piqûre, ouais, c'est dur, mais ça offre un futur. Etc. Bien joué l'artiste. Je crois que dans le courrier des lecteurs, on va lire quelques petites choses sur le fait qu'il y a eu peu de participation aujourd'hui. Il y a des explications. Le courrier des lecteurs. Alors, dans le courrier des lecteurs, je lis que Claire qui s'est fait la belle et Gilles de Ménil qui se barre sont actuellement en vadrouille. Et dans des terres peu connues, non couvertes par Internet, d'ailleurs, y a-t-il l'électricité? Ah ouais? Ah, bravo, vous allez faire du camping au sauvage ou quoi? Aujourd'hui, donc, pas de jeu, pas de quatrain. Nous n'avons pas le temps, occupés que nous sommes à guetter les prédateurs de cette jungle dans laquelle nous errons à bientôt. Eh ben, Gilles et Claire, merci pour votre participation. C'était tout pour le courrier des lecteurs. Il y a aussi, voilà, il y avait hier des petites excuses qui n'avaient pas lieu d'être, s'il te plaît, Caroline, de la part de Caroline. Et puis on sait que beaucoup sont occupés. Donc voilà. On va tout de suite passer quand même à une participation qui a été mise en musique, enfin qui était mise en musique, qui n'a pas été mise en musique, qui a été interprétée par l'artiste. L'artiste. Alors Jimmy, tu m'excuseras parce que je sens que tu es très précis au niveau des syllabes et là quand je vais le chanter, ça va peut-être pas être aussi précis que ça. J'ai l'impression que tu as voulu coller exactement vraiment à la voix du chanteur. Il y a des moments où rythmiquement c'est un petit peu... Voilà, bon, allons-y, allons-y. Je suis dans ma chambre, nous sommes au mois de décembre, le lendemain du 24, faut que j'attende. Pour aller ouvrir mes cadeaux. Que font mes parents? Pourquoi ne sont-ils pas réveillés? Moi j'ai suffisamment patienté.
ce n'est plus l'heure de faire dodo. Oh, 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 Père Noël, j'étais très sage. Père Noël, doux comme un nuage. Père Noël, est-ce que j'aurai mon vélo? Papa No, Papa No, Papa Noël, No, No, Papa No. Qu'est-ce que tu me fais chanter, Jimmy? Papa No, Papa No, Papa Noël, Noël. J'ai fait mes devoirs, j'ai eu des bonnes notes à l'école. J'ai d'ailleurs une petite auréole qui scintille autour de ma tête. Je suis un ange, un petit garçon, c'est promis. Je me fais toujours tout petit. Je crois que ça se fait, se fait. Oh, 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 Père Noël, j'ai été très sage. Père Noël, doux comme un nuage. Père Noël, est-ce que j'aurai mon vélo? Oh, dis-moi, Père Noël, si dans ta besace, Père Noël, il n'y a plus de place. Père Noël, je veux au moins une Nintendo. Bravo Jimmy! Eh ben oui, bravo! Bravo! Et puis, il y a quand même des contraintes pour après-demain. Les contraintes pour après-demain? Attention! Les contraintes pour après-demain, lundi 24. Je crois que c'est férié. Vous avez le temps de faire quelque chose de beau. Je veux une belle chanson, s'il vous plaît, sur un thème, je pense qu'il y a de quoi vous inspirer. Le pain, tout simplement. Le pain qu'on mange, le pain, voilà, d'autres pains, je ne sais pas. Laissez libre cours à votre imagination et racontez quelque chose avec ça. Racontez quelque chose, essayez d'y trouver du sens un peu, hein. Allez. À vous de jouer.